Vous pouvez être le meilleur salarié du monde. Je répète, vous pouvez être le meilleur salarié du monde. Mais vos enfants ne pourront jamais hériter de votre poste. Personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires. Donc, si vous pensez que vous allez être milliardaire seul, vous mentez, vous n'allez pas. Pour gagner, comme Claudel disait dans une conférence, pour gagner un, il faut donner deux. Mais ne vous inquiétez pas, le un que vous gagnez là, c'est suffisant. Enfin, je pense que vous avez compris. Entreprendre, financement, machin, truc, entreprendre, c'est quoi? Pour moi, entreprendre, c'est résoudre un problème et vendre. Voilà. Après, tu apportes un peu plus de valeur parce que sinon, quand tu es juste commerçant, c'est vrai que ça donne de l'argent, mais pour moi, entreprendre, c'est beaucoup plus puissant que ça. Financement, comme vous avez dit, chacun d'entre nous, vous avez déjà un peu, vous pouvez vous lancer. Donc, même votre téléphone, si vous sentez que vous voulez l'argent, pour vendez le téléphone. Vendez le téléphone. Après, vous avez, si on doit construire même l'usine de téléphone, pour vous, on va le faire. Donc, en fait, vous ne manquez pas d'argent pour vous lancer. Vous n'avez même pas besoin de financement. Et puis même, qui doit vous financer? Donc, vous avez vos rêves. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre le risque pour vous. Un gars me contacte un jour, il me dit, Valère, j'ai envie de monter une usine, une menuiserie. Mais j'ai fait le business plan. Il me faut 10 millions. Du coup, je lui dis, gars, tu as combien? Il me dit, 1 million. Je lui dis, donc, toi, tu as tes rêves, et c'est quelqu'un d'autre qui doit venir payer. Est-ce que tu as déjà lancé un business jusqu'à ce que tu as gagné même 100 000 avec? Il me dit, non. Tu n'arrives pas à lancer un business quand tu as gagné 100 000 avec. Et tu crois que c'est le budget de 10 millions que tu vas gérer. Tu n'as pas de compétences en management. Tu n'as pas de compétences en communication. Tu n'as pas non plus de compétences en ressources humaines. Tu veux gérer un budget de 10 millions. Comment? Il faut accepter de commencer petit, suivre le processus, parce que c'est là qu'on apprend. En fait, commencer lorsqu'on n'a rien, c'est ça en fait qui nous permet d'apprendre. Si au début tu as tout l'argent, dès que tu vas avoir besoin, je ne sais pas moi, de faire un petit visuel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer quelqu'un, non? Mais sauf que comment tu vas juger son travail? Comment tu sais qu'il n'est pas en train de produire n'importe quoi? Il y a une dame qui me contacte récemment, elle me dit, Valère, j'ai une page Facebook et j'aimerais que tu me formes. Je lui dis, très bien, envoie-moi le lien de votre page Facebook et tout, elle m'envoie le lien. Elle a plus de 975 partages, 25 likes, cherchez l'erreur. En fait, elle payait des gens, un community manager, qui travaillait, mais il pissait dans le violon, parce que quand j'ai regardé, c'était nul. Mais comme elle n'avait pas cette compétence-là, elle ne savait pas ce qui n'allait pas. Du coup, elle ne pouvait pas juger son travail. Du coup, elle perdait son argent. C'est donc pour ça qu'on dit que c'est contre-intuitif, mais ne déléguez jamais une tâche que vous ne comprenez pas en business. C'est l'erreur fatale. Moi, j'ai fait cette erreur-là une fois, j'ai payé le prix. Donc, on ne vous demande pas de tout connaître. Mais sachez au moins juger le travail des gens. Pourquoi se lancer en business? Pourquoi est-ce que vous devez entreprendre? Pourquoi est-ce que vous devez lire ce livre? Pour ce que le chemin de l'entrepreneuriat fera de vous. Depuis que je me suis lancé dans cette ambiance-là, j'ai appris énormément de choses. Aujourd'hui, vous me voyez devant vous. Je tiens la parole, je tiens le discours.
Je vois que vous êtes captivé. Heureusement pour moi, ça veut dire que j'ai des choses intéressantes. Il y a des techniques de communication qu'on utilise. Vous ne pouvez pas être en business et ne pas savoir communiquer. Quand vous écoutez Claudel, vous dites, mais le gars parle bien. On se forme. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais su comment transmettre le message. Et en fait, ce que je vous dis même là, il y a à peine 15% de ce que je dis que vous retenez. Mais, je sais quand même, quand vous avez sorti, vous avez dit, mince, je me suis quand même senti bien quand le type là parlait. Mais ça, ça s'apprend. Et c'est justement, depuis que je suis dans un business, j'ai développé mon intelligence financière, j'ai développé mon leadership. Et beaucoup d'autres, j'ai développé mes compétences en vente. Parce que nous vivons dans un monde où tout est vente. Tout le monde vend. Tout le monde vend. Indirectement ou directement, tout le monde vend. Et même là aussi, les gens sont en train de me vendre, non? Donc, c'est ce que ça fera de vous, vous lancez un business. Parce que le voyage compte même plus que la destination. En général, lorsque je lance un truc, je suis chaud, je suis dans le truc vraiment. Mais le jour que même il y a l'échéance, je me dis, bon, ok, d'accord, c'était bien. Et c'est là que ma copine me dit, mais tu n'es jamais satisfait. Je dis, oui, c'est vrai. Mais là, il faut aller plus loin. Donc, lancez-vous, vous devez vous lancer pour ce que ça fera de vous. Vous devez vous lancer pour impacter. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, argent livre permet à beaucoup de gens de gagner beaucoup d'argent. Peut-être pas beaucoup d'argent pour le moment, mais plus tard, ils vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand même, on fait gagner de l'argent à certaines personnes. Vous devez vous lancer un business pour votre descendance. En lisant le livre de Ricardo Kanyama, « Je suis Kunta », la plus belle leçon que j'ai apprise dans son livre, c'est quand il dit « Vous pouvez être le meilleur salarié du monde. » Il répète, vous pouvez être le meilleur salarié du monde, mais vos enfants ne pourront jamais hériter de votre poste. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu les frissons. C'est fini? Mais moi, je parle beaucoup. Hein. Il n'a même pas encore donné même 10%. Hein. Donc, vous pouvez être le meilleur salarié du monde, mais vous ne pouvez pas transmettre ça à votre enfant. Alors que si vous lancez un business, il tourne bien. Mais votre descendance va gagner, non? Voilà pourquoi vous devez entreprendre. Voilà pourquoi vous devez lire ce livre. Parce qu'il va vous donner les clés. Internet, comme je vous ai dit, c'est zéro excuse. C'est zéro excuse avec Internet. Vous pouvez vendre des produits que vous n'avez pas. Moi, je vends les produits tous les jours que je n'ai pas. Amazon vend quoi? C'est vrai qu'ils vendent du stock. Mais vous croyez qu'ils ont tous ces produits-là chez eux? Non, ils vous vendent de l'information, non? Ça, c'est la magie d'Internet. Ça, c'est un message parmi les centaines que je reçois souvent. Ça, c'est un gars avec qui je travaille, qui a suivi ma formation sur Facebook. Comment gagner de l'argent grâce à Facebook. Et là, c'est marqué. C'est un étudiant. Il est ingénieur. Bon, il a fini ses études. Il vend un fascicule, là où il y a des exercices corrigés. Il a vendu, grâce à Internet et quelques petites stratégies que je partage dans les formations, 250 exemplaires. Le PDF. Donc, il a conçu le PDF. Quand il vend, il perd quoi? Et en plus, non, il a conçu une fois son PDF. De même, le temps, il ne perd pas. Bon, ok, 5 minutes. 2500 pour 5 minutes, ça va, non? Le temps de la conception, selon. Et il a vendu plus de 250 exemplaires. Il pourra encore revendre. Avec plus de 625 000 francs CFA. Ça, c'est la magie d'Internet. Pendant que certains sont là, ils ont leur téléphone, ils filment ce qu'ils ont mangé. Voilà comment quelqu'un gagne de l'argent grâce à Internet. Et tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être sorcier. Vous savez faire la cuisine, vous pouvez le faire. Vous êtes bon à l'école, vous pouvez le faire. Vous savez coiffer, vous pouvez le faire aussi. Mais après, il faut seulement avoir les petits outils. Malheureusement, je ne peux pas détailler plus. Comme je vous ai dit tantôt, zéro financement, c'est une opportunité d'apprendre. Je ne vais pas revenir là-dessus. Votre vision. Ça, c'est là où nous, les Africains, on pêche au niveau de la vision. Quelqu'un se lance en business pour manger. Comment ?